Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez et intéressez-vous, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que j'ai une information sans problème. Pourquoi ça passe là? Ce événement passe nous là. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous que vous voulez. Nous besoin de manger avant parce que nous dehors. Depuis dimanche, nous dehors. Pour nous, nous avons besoin de tourner la taille nous là. Nous avons frappé, nous avons crasé les jeunes, nous avons tué les gens, nous demandons une chose pour nous tourner la taille nous-mêmes. C'est une situation qui commence depuis dimanche soir et aux environs de 5 heures. Effectivement. Et par rapport à l'insécurité publique qui est là, dans la zone Croix des Missions, Louis Boyer, Cité Tibaka, donc Mounio était dirigé vers Place Persina. Donc, et c'était de l'après-midi, mais on est avec question de la pluie qui a tombé. Donc, hier, ça n'a pas de que pour Mounio était sur place pour mouiller parce qu'il y a un petit bébé. Ok, peut-être dirigé vers Neria, ici là. Mais maintenant, ici là, c'est espace de protection civile. Donc, nous sommes hébergés ici. Donc, et dimanche soir, nous passons une nuit dans là. Et puis, dans lundi matin, il y a un pile qui est dispersé, qui peut-être a ravitaillé. Et donc, entre-temps, et la mairie, de concert avec la protection civile, prend des dispositions pour que nous encadrions. Et entre-temps, et nous avons essayé de chercher des espaces qui puissent approprier pour nous héberger. Mon depuis avant, MDO à toute petite, moi, Marie, je suis entré, la caille, moi. Je suis là pour m'entrer, je vais quitter m'entrer. Mais sauf que le pays a manqué de soins, manqué d'aide. Il n'y a pas de supposé comme ça. En pile malheureuse, à dormir sur place personne. Moi-même, mon papa me fait maintenant donc à la boîte à Oula, il va courir les filles. Pour moi, je vais expliquer nous, la police est devant, pour expliquer nous, avec Richard en bas, et Bandio en bas, et expliquer nous. Moi-même, je vais qu'on a rien à refaire. Mais qui compte pour aller là? Oh, moi, j'étais mon cher, j'étais. Ou des petites trucs là même? Oh, madame, là, petite me passer là. Pendant ce soir, tu vois un cadavre, mon nom? Bon, c'est un quoi d'émission, cadavre, marécage, cadavre, cabout de point balle, monde point balle, wagon. Mais ça que c'était toi, c'est seulement. Moi, j'ai petite pointe là-dedans. Journée aujourd'hui, nous prenons une sécurité programmée avec un kidnapping téléguidé. Nous avons demandé est-ce que complicité l'État pays avec politiciens malfois qui mettent nous dans ça. Yon peuple qui a souffri en bas coup de balle criminel, mettez du fait dans affaires malheureux et malheureuses. Dans le quartier, yo, Tankou, dans Riel Maya, Ritimas, Belé et Latrier, nous dit qui côté ça pour aller. Mes amis, c'est trop patent. Côté responsabilité de l'État pays, dans tout ça qui a passé en bas de yo. Nous t'arrêtons mais qu'on est. Qui ça l'État haïtien fait pour soulager le peuple de toute misère pendant que yo qui dans tête l'État a bien passé. Comme si le pays ça, c'est celle qui a un droit là-dedans. Nous-mêmes qui dans ghetto, qui a voyagé, qui a des âmes dans le au lieu de c'est un livre, nous avons maintenant mais nous, avec métier, nous avons gagné pour vivre. L'État, c'est assurer bien-être du pays à toute petite lieu. Défaillance nous gagnons, contribuer en pile dans la situation que nous sommes là. Nous sommes petites dessalines pour tout le monde. Nous avons droit à revendiquer droit nous. Tant que retirer Fado l'école là, sous dos parents nous. Créer l'école professionnelle. En fonction des capacités nous, nous sommes capables de créer propre entreprise pour nous, pour nous capables de vivre de vrais entrepreneurs. Ce n'est pas l'idée qui manquait mes amis. C'est accompagnement nous pas joindre. Yo humilier nous. Yo réduit nous. Avec tout qualificatif, avec tout épithète. Tant que bandit exam. N'a pas rappelé nous, bandit exam pas métier. C'est peut-être ça. Nous demandons l'État accompagner nous pour nous récupérer tout territoire national là. Avec tout homme misère finie. Avec yo qui pousse yo à prendre exam. Faut que ça fini. À contexte social, économique et sécuritaire qui paraît difficile que nous tous à vivre journée aujourd'hui, hein, une OE a continué à dénoncer à toute force li, maladresse, incapacité, autorité,
dans façon yo a adressé problème social, économique et sécuritaire en dans pays. N'a continué dénoncer mauvaise foi et incapacité autorité yo face à façon yo adressé ensemble revendication que nous gagnons en dans secteur éducatif là. N'a rappelé que nous gagnons cahier de charges qui déposé pendant plusieurs mois et que pas gen aucune autorité qui manifeste volonté pour faire un chita parler, pour faire un dialogue social avec nous, une façon pour nous arriver négocier un ensemble point qui extrêmement essentiel pour nous en dans cahier de charges là. Cahier de charges là li charrier toute revendication que nous gagnons en tant que travailleurs travailleuses de l'éducation et revendication ça yo axé sur plusieurs axes. Premier axe que nous gagnons c'est accès à l'éducation. Nous tout connaissons dans pays l'état pas jamais rivé satisfait la demande sociale en matière d'éducation. C'est on rencontre et nous te gagnons et jodia avec EPPLS puisque nous connaissons que gagnent ça gagne 2 ans depuis gagnent construction village policier qui il lancé depuis en 2020 et nous tout connaissons que c'est son ancien premier ministre Joseph Jout que lancement pour projet ça a été fait pour te construire 600 logements pour policiers dans zone Delma 33 et bien. Et nous connaissons que le programme a été financé, le projet a été financé. Par la suite, ça va gagner 1 an depuis gagner ingénieur Ferry Cavé qui était responsable de la construction du projet ça. Et pour te faire logement pour les policiers, eh bien, ingénieur a été mort. Depuis lors, ingénieur a fin mort, nous n'attendons rien encore de projet ça. Puisque nous-mêmes, nous sommes Sinapoa, syndicat qui est là pour défendre l'intérêt pour les policiers. Nous avons trouvé que nécessaire par rapport à plusieurs rencontres que nous avons fait à plusieurs policiers qui demandent nous comment dossier a est-ce que nous avons quitté le dossier ça les mourir. Eh bien, nous avons rencontré jeudi à là avec le directeur EPPLS pour nous connaître comment le projet a est-ce que le projet a campé, est-ce que le projet a avancé. Eh bien, rencontre ça, son rencontre qui était très fructueuse pour nous, lui permettre que nous avons ensemble d'éléments d'information sous projet A. Et nous connaissons tout par rapport avec contrainte et qui gagne dans le pays là. Puisque ingénieur Ferry Tevin mourir, il n'y a pas quelques monde qui était dans le projet A ensemble avec lui qui est obligé de quitter le pays là. Les temps pour l'autre mise en place qui fait encore pour reconstituer le film encore pour venir accepter redémarrer le projet A. Malgré que le projet a redémarré encore par rapport avec le problème d'insécurité pays a gagné et surtout gagné 90% main d'œuvre là c'est à l'extérieur que yo a sorti surtout en République dominicaine et bien par rapport avec le problème d'insécurité qui gagne un paquet de côté dans le pays ça rend que le projet a n'est pas avancé à grand pas mais information que directeur EPPLS là ba nous li fait nous connaître que projet a li pas campé projet a avancé petit pas mais cause de contrainte les projets a été fini le projet a li obligé et a marcher gens que li a marché là la police journée aujourd'hui là pas besoin machine de luxe. Machine luxe ça c'est machine que nous baï moun al flaner al foncer de bagaille mais la police a besoin des moyens des blindés l'autre matériel des drones pour professionnels pour faire travail parce que ça qui a passé là dans pays là presque dans 4 coins pays là ou pas qu'à faire rien ou limiter ou bonner ou pas qu'à la ou pas qu'à faire rien mais c'est responsabilité l'état haïtien pour doter la police nationale d'Haïti de moyens nécessaires et nous même au niveau Sinapoa n'a gagné très bientôt pour nous prendre position nous par rapport avec gouvernement qui va vouloir bailler la police moyens pour capable faire travail film qui sous projet là c'est toujours et KV City qui c'est qui en partenariat avec Western Film qui trouve les à Kansas City aux États-Unis donc ingénieur Ferry il était responsable suite à la mort ingénieur Ferry c'est Félix et Western qui vient responsable film ça
Donc, j'en ai dit là, le projet a été commencé. Il y a plusieurs contraintes. Parmi les contraintes, et la mort du président Jovenel Moïse, qui a eu un projet ça à cœur. Donc, le fait que il mourit, et ça vient ralentir le projet. L'autre contrainte, c'est la mort de l'ingénieur Ferry. Et ensuite, il y a une situation de sécurité généralisée qui gagne dans le pays, parce que la majorité et monde qui a travaillé dans le projet, c'est domaine que vous avez sorti, nous connaissons comment la route l'a lié. Et l'autre contrainte qui gagne encore, les fonds qui étaient disponibles pour le projet. Nous sommes PM Jout, il était dit toutes les ressources sont disponibles, directeur a dit tout. Mais nous connaissons ici, là où nous avons l'argent disponible, ça va vous dire, il est débloqué. Donc les fonds qui étaient disponibles pour le projet, c'est seulement 30% qui étaient débloqués. Et c'est ONA qui gagne et COB là. Donc EPPLS, il est responsable conception et exécution projet, mais et pour sa fête, il faut gagner et COB qui est disponible. C'est 30% qui est disponible. Compagnie a lié travail avec ça que les gagnants. Donc l'heure pour passer dans la deuxième phase, et bien on a gagné pour débloquer un deuxième versement. Projet, c'est un projet, c'est fait pour policiers, pour professeurs et infirmiers et infirmières. Maintenant, les policiers qui ont bénéficié de projet, c'est les policiers qui étaient inscrits dans le projet et les policiers qui ont gagné pour venir inscrits. Donc, ce n'est pas tous les policiers qui étaient inscrits, ça qui étaient inscrits et ça qui a venu inscrit. Voilà, c'est que ça, c'est le festival drapeau et qui a fait le 14 et 15 mai et prochain. Et c'est une idée pour. Et pour marquer une date dans le département dans le cela, pour ce n'est pas seulement fait patronal qui peut mener et mon dans le département. Et surtout, les premiers villes du pays que tout le monde connaît, qui sont Saint-Nicolas, qui sont paradis, mais ils font pas pour faire mes gestes, ils ne pas connaître. Mais nous prenons l'initiative de dire qu'on marque une date dans le Saint-Nicolas et sur la Porte de Paix. Côté nous allons accoucher un festival qui est à côté de nous, le festival de la peau, le 14 mai à Mont Saint-Nicolas, je me suis dit là, puis le 15 mai et à Porte de Paix jusqu'à 17 mai. Mais il est festival à venir dans. C'est un livre qui nous appelé, qui est l'histoire du drapeau, que Gérard Marie Tadieu ne fait pas de lui-même. Nous, toute grande initiative, c'est nous qui toujours prend en premier. Mais après le film, soit l'autre zone, embrasser l'initiative, et puis je suis nous ne pas parler de lui. Et drapeau, nous avons 215 ans pour ça. Il va le fêter là. 215 ans, mais il crée en 1803. Il voit que j'aime prendre l'initiative pour célébrer le rapport. C'est en 1920, côté Madame Nicolas François, tu prends l'initiative pour célébrer le rapport noir. Or, quand tu prends l'initiative pour te faire là, c'est dans le nord-ouest, ville Port de Paix. Depuis la célébration de la poire et a continué, mais tout les gens d'Izumé, tout gauche à Bracchio et l'État pour le focus en grand côté à Kaye, nous collectons une naissance à la célébration que nous faisons j'ai soudé. Et c'est notre objectif plus que nous sommes de s'en aller, nous chercher comme ça débattant, nous avons cherché et nous avons fouillé sur nos calalos, j'ai comme nous avons dit là, puis nous sommes sur ça, nous disons, bon, et si c'est notre première initiative, vous ne célébrez pas pour nous, mais pour ça ne va pas faire un barré pour marquer date ça, et date ça en autre façon. Et c'est notre objectif ça, nous venons avec question et festival de la cour, c'est pour la première édition. Nous. Et les 14 à Mont Saint-Nicolas et les 15 à Port de Paix. Et bien que le Nord-Ouest, c'est une zone qui est équilibrée. Mais nous invitons tout le monde qui est dans quatre coins pays. Il y a en décembre 14 mai à Mont Saint-Nicolas pour aller découvrir le pays. Nous. Encore, c'est l'histoire va être.
c'est Morse Nicolas que le pays a été découvert. Ça veut dire que Morse Nicolas, c'était le pays. Et en descendant de Morse Nicolas, on a regardé qu'on nous qualifie de la pour nous et non amour. Et puis, son message qu'il a tout voué pour montrer que nous voulons tourner à propos d'origine. On a fait de la pour ensemble, dans l'amour, sagesse et message ça pour nous venir dans les autorités. Et nous sommes les gens qui sont disant bandits ou bien ça ou les gangs, même pas dire comme ça. Nous avons en tout cas pour prise de conscience des gens pays qui tout nous tout en vivent dans le pays. Et on garde ce qu'on a fait les hommes pour ça. La résolution 11 mars là, avocat a été demandé pour doyen lui-même personnellement et recevoir avocat dans l'autre lieu, sauf au bicentenaire, que lui-même pas de pouvoir pour décider lui-même. Et au niveau du Conseil de l'Ordre, particulièrement Maître Legault, comme bâtonnier, t'es rencontré avec CSPJ et qui t'es sensibilisé au point que ils ont décidé pour faciliter ça. Parce que juge, ils ne parlent pas en bas. Les juges, ils ne descendent pas au bicentenaire. Et c'est le doyen qui allait. Avec quelques deux ou trois autres juges. Par contre, raison personnelle qui fait aller. Et ils ont allé quand même, mais avec question. Juge pas descendre en bas. Et comme de fait, pas jamais des audiences depuis 3 ans pour les affaires civiles et les autres affaires. Il y a 20 mois de ça que nous étions surpris par une nouvelle qui jusqu'à présent a ravagé nous, c'est que nous avons perdu le bâtonnier que tout le monde connaît, le bâtonnier Montferrier d'Orval, dans la condition que était mort. Et depuis 20 mois ça, Baoua pas suspendre, camper sous deux pieds pour continuer à demander justice au maître Dorval. Donc on est perte maître Dorval, c'est comme si nous t'a dit son perte de patrimoine humain, qui pas seulement perte nationale, le monde entier. C'est respecter monsieur ça pour saleté en tant qu'intellectuel, en tant que juriste, en tant que défenseur des droits humains, et qui t'est utile en pile à la société haïtienne. Je dis à nous croyons que pas grand rien qu'a fait nous fait bac pour nous demander tout ce qui est normal pour un monde qui mourit dans condition ça, que d'y joindre justice. Et c'est pour ça que nous là, je dis à, pour nous rappeler autorité que nous avons devoir pour accompli. Et si vous accompli le devoir ça, c'est à leur honneur que la vienne. Bien plus le monde qui est victime de cas d'injustice en société. Et nous pas dit que son seul monde qui besoin de justice, car pile cas pendant. Et quand on a demandé justice au maître Dorval, nous demandons justice pour le monde qui assassiné dans mauvaises conditions, pour le monde qui jodia en quoi tomber parce que tout simplement il aurait été dans le pays, il aurait été habitant de pays, c'est là où il n'y a pas qu'à courir. Et que pas jamais gagne autorité, pas jamais gagne pouvoir qui levait, qui montrait que le fond bagaille sérieux. Donc nous profiter du tout que nous gagnons un constat qui est regrettable, qui est déplorable que nous avons fait. C'est comment, je vous dis en plein 21e siècle, nous avons une négligence extraordinaire, une apathie, une insensibilité à sa justice t'a dû représenter dans la société haïtienne. Nous y venons au point tellement bas que messieurs vous le savez, parce que nous toujours là, et nous remercier la presse parce que nous toujours là pour accompagner Baoua, pour nous comment nous souhaitons faire un pèlerinage pour nous joindre au local, nous mandel, nous écrit, nous réunir avec autorité pour nous joindre au local pour loger le tribunal civil de Port-au-Prince. Nous pas jamais qu'à joindre alors que nous croyons fermement que y a un espace disponible et que si l'État a un intérêt pour justice, nous avons joindre. Mais au fait, quand nous est côté nié aujourd'hui, nous dans l'autre local barreau de Port-au-Prince, parce que quand pas rien que fait pour nous joindre dans le tribunal, pour nous t'as qu'à travailler normalement, parce que pour nous sortir dans le chômage depuis 3 ans que nous y est, eh bien, nous venons choisir établir barreau de Port-au-Prince sont l'autre côté. Nous sommes en coulant, côté que nous, là, monsieur journaliste, pour vous dire que nous avons une situation déplorable.
Parce que pas de société qui a avancé quand pas de justice, quand pas de système régulateur qui peut permettre premièrement les habitants d'identifier à l'autre parce que vous connaissez un côté ou pas passer, sinon il y a pas devant la justice. Et aussi pour que généralement vous élevez en dignité. Un peuple qui veut élever en dignité, il faut un système de justice qui est établi là-dedans. C'est pas en vain que la Bible dit que la justice élève une nation. C'est bon parole en l'air. Parce que justement, quand on gagne en société, côté intérêts divers, société a évolué, et que tout le monde n'est pas obligé d'aller dans le même sens, ou un système qui l'a pour réguler les relations, nous croyons que son bagage ne peut pas négliger. Ça montre encore que gagner en insensibilité qui pote nous quoi que bon leadership irresponsable dans le pays a et qu'il a trop longtemps. Il a trop longtemps et c'est pas par la force que vous forcez mon accepter. D'ailleurs, pas bon même pour monde qui est au pouvoir. Il n'est pas bon pour monde qui est au pouvoir parce que c'est seul gens pour eux-mêmes tout le temps débarrasser aux enfants d'autres sous l'eau parce que vous accusez aux dents pile bagaille. Pour eux dire oui ou non. Pas quoi moi-même pas arrêté de croire jusqu'à présent que gain des accusations de porter son série de monde que mon yo t'a mérité accusation. Mais je dis nous non structure, nous non pays côté que tout est coupable, tout le monde coupable, tout le monde innocent. Vous savez pourquoi? Parce que institution pour dit mais ça fait, mais ça vient pour ouais devant la justice là, n'est pas existé ni pour laver un monde qui est innocent et que yo accusé et ni pour permettre qu'on monde qui est coupable payer peine pour après les restaurer quand sont-ils en société pour le dire oui je l'ai fait mais me payer peine moins parce que mon état policé le fond bagaille me payer peine moins me conscient de lui et bien maintenant j'ai le droit de recouvrer toute ma liberté et puis aussi pour me participer à toute activité et payer donc à moins qu'on t'a victime ou t'a condamné en peine effectivement enfin, à moins que tu viennes de bagarre ou qu'on pas café dans tous deux ans. Nous offrons service là, officieusement, mais après un bon feedback que nous recevons de abonnés, nous décidons d'ouvrir la couverture nationale, nous, métropolitaine et de la grande ville de province pour toute jeune entreprise qui a bénéficié de service noir. Service noir spécialisé, c'est une fibre optique, nous avons une fibre optique par câble. Pour zone métropolitaine et de la grande ville de province nous baillons par air même avec même qualité de service là, à savoir même vitesse, à savoir même redondance. Nous c'est pratiquement ça nous offrons et nous offrons fibre optique là aussi de deux manières, de façon résidentielle et aux grandes entreprises. Résidentielle à partir de on prix imbattable de $60 et entreprise moyennant nombre de mégabytes pour utiliser un terme technique que l'entreprise apprend. Et aussi nous allons parler aussi aujourd'hui de nos partenariats spéciaux que AINET a avec Télé Haïti. Nous combiner tout plan avec tout plan fibre bien entendu avec un plan de Télé Haïti basique. Les venir pour élargir le champ de divertissement client. Moi-même, je viens là particulièrement pour protocoler avec AINET, puisque nous avons un partenariat très serré. Côté que Jean-Monsieur Bijou Tapzian. Nous avons un monde qui a côté que les bagages ont changé, les business ont changé, et tout le bagage, même si changé, on veut dire, a évolué. Donc, nous pensons que le moment est arrivé, et pour nous dire tout pour Télé Haïti application, que nous n'avons pas de limite géographique. Donc, je pense que c'est là que Télé Haïti pourra vraiment serrer avec AINET pour pousser. Et évolution et type de divertissement, ça, Jean-Janel, s'est expliqué. Donc, avec Fiber, nous avons IPTV. Dès qu'on monte une AINET ou pour une connexion Internet, ou pour une télévision quand même, à ou même de choisir sur qui plateforme ou à prendre.
Et indiscutablement, quel que soit le plateforme choisi, on va tout soutenir avec l'application Télé-Haïti. Depuis où acheter mon internet au niveau de Haïti, tout exiger Télé-Haïti. Quel que soit internet ou acheter au niveau de Haïti, pas sortir dans aucun magasin sans Télé-Haïti ou non. Mais on a là, on a décidé qui plan on veut prendre après, sur qui plateforme on veut garder. Parce que depuis 2 ans, Télé-Haïti tout côté sur toute plateforme. À l'heure actuelle, des millions de jeunes entrepreneurs ici en Haïti manquent de la technologie nécessaire pour réussir dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Les jeunes femmes peuvent parfois se restreindre dans leurs choix professionnels et ont peur de se lancer car elles manquent de modèles féminins auxquels s'identifier pour se projeter dans leur avenir professionnel. C'est dans ce but que la INET SA, une compagnie de télécommunications qui offre les meilleures solutions de connectivité adaptées à ses clients et à la communauté, lance officiellement sa campagne Ma Fibre, Mon Entreprise, qui vise à sensibiliser les femmes de la génération Z à l'entrepreneuriat à travers des jeunes femmes entrepreneurs afin de faire plus d'impact dans la société tout en restant connectées. Notre objectif est de développer des qualités et compétences indispensables de la génération Z, rester informé, savoir s'exprimer, aller au contact, organiser et avoir un meilleur partage de savoir et surtout leur donner l'envie d'entreprendre et de se lancer. Le 23 janvier 2022, lors d'une importante conférence ministérielle sur Haïti dont le Canada avait été l'hôte, le ministre du Développement international du Canada avait annoncé une contribution financière canadienne de 50,4 millions de dollars canadiens en soutien à 9 nouvelles initiatives en Haïti. Ces initiatives doivent appuyer la sécurité, le développement d'une meilleure santé sexuelle et reproductive pour les femmes et les filles, et la croissance économique inclusive et les besoins humanitaires en Haïti. Dans le cadre des appuis annoncés, je suis très heureux d'être ici ce matin pour signer les protocoles d'entente de 4 de ces projets, totalisant plus de 20 millions de dollars canadiens. L'événement d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus entamé avec le gouvernement via le ministère de la Planification et de la Coopération externe, MPCE, depuis plusieurs semaines. Nous sommes finalement très heureux de ce dénouement positif. Mesdames et messieurs, 3 de ces projets, le montant de plus de 17,4 millions de dollars canadiens concerne le secteur de la santé, une des priorités de la coopération canadienne en Haïti. Bon. Il s'agit des projets suivants. Premièrement, le projet Améliorer la participation citoyenne et droits en santé et droits sexuels et reproductifs, mis en œuvre par la Fondation Jules et Paul-Émile Léger et Connexion Justice sociale. Le second s'appelle Appui à la santé sexuelle et reproductive égalitaire, dont les agences d'exécution sont la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, l'Association canadienne des sages-femmes, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Le troisième projet se nomme Femmes et filles debout avec dignité pour nos droits sexuels et reproductifs, mis en œuvre par Care Canada, le Centre de coopération internationale en santé et développement, ainsi qu'Avocats sans frontières Canada. Ces projets s'alignent entièrement sur la politique du ministère de la Santé publique et de la population en matière de santé sexuelle et reproductive. Le quatrième projet, intitulé « Projet d'appui à une meilleure intégration des femmes dans la police nationale d'Haïti », d'un budget d'environ 3 millions de dollars, un peu plus de 3 millions de dollars, pardon, est en lien avec le plan stratégique 2017-2022 de la PNH. Il vise à augmenter la présence et la rétention des femmes au sein de la PNH. Ce projet sera mis en œuvre par l'organisation non gouvernementale canadienne Co-Water Socialement International. Ces 4 projets touchent donc des secteurs clés de la programmation du Canada en Haïti et seront mis en œuvre sous le leadership des autorités nationales en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile haïtienne et canadienne. J'en profite pour remercier l'ensemble des parties prenantes à ces projets pour leur engagement au profit du peuple haïtien. Ces projets porteront une contribution significative à la mission du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui de concevoir, d'élaborer, d'appliquer et de faire appliquer les politiques publiques en matière d'égalité femmes-hommes. Cette contribution passe par le renforcement des 3 grands chantiers actuels du ministère, qui
qui sont la lutte contre la violence basée sur le genre, l'égalité femmes-hommes et l'autonomisation des femmes. Aussi, le ministère estime qu'il serait nécessaire d'accorder, dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, une importance particulière à certains sujets comme le renforcement institutionnel, l'accès aux services de qualité, l'accès à la santé dans le respect de la dignité des femmes, la réduction des inégalités à l'intégration des femmes au sein de la PNH et en particulier celles issues des régions, l'implication soutenue des institutions étatiques concernées dans la réalisation des projets. Enfin, au regard de sa mission, le ministère va s'assurer et accompagner de la prise en compte de la dimension genre dans tous ses aspects, dans l'implémentation et la réalisation des différents projets. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, au nom du gouvernement haïtien, remercie le gouvernement canadien d'avoir bien voulu appuyer le processus de modernisation et de dynamisation de certains secteurs de l'administration haïtienne. Les activités que nous allons entreprendre, particulièrement celles qui concernent l'intégration des femmes dans la PNH, a toujours attiré l'attention du gouvernement haïtien qui entend les encourager et les accompagner dans toutes les activités de la vie nationale. Ce n'est pas un cadeau que nous leur offrons car les lois haïtiennes autorisent l'État haïtien à prendre des mesures de discrimination positive à leur égard. Ce comportement traduit l'idée d'égalité qui doit exister entre les hommes et les femmes d'Haïti. Ensemble, nous allons signer un accord. Ce protocole qui traduit la volonté des peuples canadiens et haïtiens de collaborer au renforcement des institutions haïtiennes. J'éprouve un réel plaisir à me retrouver parmi vous ce matin à l'occasion de la signature de ces trois protocoles d'accord. Protocole d'accord qui intéresse tout particulièrement la santé des femmes et des filles. Il s'agit, une fois de plus, d'une manifestation éclatante de la richesse et de la diversité de la coopération Haïti-Canada qui, du reste, ne date pas d'hier. En effet, durant mon premier passage comme titulaire du ministère de la Santé publique et de la Population, de 2008 à 2011, à travers cette coopération en santé, plusieurs projets importants et d'envergure nationale ont été mis en œuvre. Nous citerons notamment les projets d'appui au renforcement des capacités, le parc, d'appui au développement du système de santé, PADES, le projet d'appui au programme élargi de vaccination PAPEV, le projet PALI, et bien sûr, je pourrais mentionner bien d'autres encore, comme l'hôpital des Gonaïves et l'hôpital de Jacmel. Venu au ministère en novembre dernier, tout récemment, le 18 février 2022, nous étions à Limonade, accompagné des représentants du Canada pour l'inauguration de la faculté de sage-femme. Et nous nous retrouvons une fois de plus pour la signature de ces trois projets. Améliorer la participation citoyenne en santé et droits sexuels et reproductifs devant couvrir Grissier et Léogan. Projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive égalitaire qui sera implanté à la Croix des Bouquets. Les femmes et filles debout avec dignité pour nos droits sexuels et reproductifs, femmes cadres, lequel sera mis en œuvre dans le département du Sud-Est. La thématique transversale, équité du genre, était toujours prise en compte dans ces différents projets. Monsieur le ministre de la Planification et de la Coopération externe, je félicite votre ministère pour l'aboutissement de ce projet entamé depuis plusieurs mois avec la participation des différentes parties prenantes. J'accueille avec satisfaction l'engagement
du ministère de la planification et de la coopération externe a assuré avec le ministère de la santé publique et de la population le suivi de ces trois projets. Monsieur l'ambassadeur, c'est un fait indéniable. Cette coopération Haïti-Canada, dont les grandes lignes sont inscrites dans le programme d'appui à la gouvernance de l'État haïtien PAGE, 21 mai 1985, et qui vise à contribuer au bien-être de la population haïtienne, s'inscrit dans la durée, mais bien plus encore, elle se renforce de jour en jour. Ces quatre protocoles d'entente portent sur quatre projets qui auront un impact positif sur les politiques publiques. La signature de ces protocoles d'entente témoigne de l'importance de la relation entre Haïti et le Canada qui s'est renforcée depuis 1954, notamment à travers la mise en œuvre de projets et la présence d'une importante communauté haïtienne composée de professionnels et d'étudiants au Canada. Le Canada reste un partenaire privilégié d'Haïti. Et comme toujours, les secteurs clés financés par le Canada sont directement alignés à nos priorités. La présence des ministres impliqués dans ces projets témoigne également de l'intérêt du gouvernement tout entier pour la réussite du processus. L'exercice de ce matin est d'une importance capitale puisqu'il s'agit d'une initiative inscrite dans le partenariat et les relations stratégiques qui lient la République d'Haïti au Canada, dont l'engagement de longue date envers Haïti le positionne en tant qu'un des principaux donateurs bilatéraux en termes d'engagement et de décaissement. Je rappelle avec plaisir également que la République d'Haïti est l'un des plus grands bénéficiaires de l'aide canadienne dans les Amériques. Monsieur l'ambassadeur, le gouvernement haïtien est pleinement conscient des enjeux du mode de coopération actuel avec ses partenaires. Aujourd'hui encore, alors que le monde n'est pas sorti complètement de la pandémie COVID-19, déjà nous commençons à subir les conséquences de la guerre russo-ukrainienne. Au-delà des discours, c'est par les actes que les partenaires techniques et financiers peuvent nous convaincre que nos priorités sont les leurs. Cette cérémonie d'aujourd'hui est un signal positif et un pas dans ce sens. Ainsi, c'est avec beaucoup de plaisir et certainement avec un sentiment de satisfaction que nous nous apprêtons à signer au nom de la République d'Haïti ces quatre protocoles d'entente d'un montant totalisant 20 417 820,50 $ canadiens. Monsieur l'ambassadeur, pris dans leurs différentes composantes, les trois projets ayant rapport à la santé, les droits sexuels et reproductifs toucheront environ 200 000 jeunes femmes et hommes entre 15 à 24 ans et de manière indirecte, ils généreront des emplois pour les professionnels de la santé tels médecins, gynécologues, sages-femmes, agents de santé communautaire polyvalents et des organisations communautaires de base. Tandis que le projet d'appui à une meilleure intégration des femmes dans la PNH entend fournir un accompagnement à 200 femmes durant tout le processus menant à leur recrutement au sein de la police.